Parce que la semaine dernière, c'était donc l'inauguration du premier café littéraire à Marly. Il était important pour moi d'établir dès le début du livre que c'était une femme qui l'écrivait. Il y a beaucoup de femmes qui sont toujours surprises qu'un homme ait à ce point réussi à se mettre dans la peau d'une femme. Voilà, il n'y a pas de performance là-dedans. J'ai fait ça de la manière la plus sincère et la plus enthousiaste possible. L'idée a germé depuis un an ou deux, créer un café littéraire. Une rencontre comme ça, autour du livre, autour des mots. Et puis la semaine dernière, nous avons donc inauguré notre premier café littéraire, ici à Marly. On va travailler autour d'une liste de livres, 2, 3, voire 4. Et puis on va inviter les gens qui ont lu ou même qui n'ont pas lu ce ou ces livres à venir en discuter, à se poser des questions et puis à essayer d'y répondre éventuellement. Je suis en train de lire les romans noirs, les romans de la nuit de Frédéric Dard. Et hier dans le train, je disais une phrase dingue, c'est « il dit le plaisir, c'est l'assouvissement ». Et j'avais jamais pensé. Et le mot « assouvissement », il est rare et beau, c'est de laisser aux choses le temps de nous repaître d'elles-mêmes. Je trouve qu'on va trop vite, on a un iPhone 1, on veut le 2, on a le 2, on veut le 3, on a une blonde, on veut une brune. On passe une vie à remplir une maison, et quand elle est pleine, on casse les choses pour pouvoir les remplacer, pour avoir quelque chose à faire le lendemain. On va même jusqu'à casser son couple pour se projeter dans une autre histoire, un autre futur, une autre maison, une autre vie à remplir. C'est très fort aussi. Pour l'instant, on part sur un rythme de un rendez-vous tous les 2 mois. Le prochain rendez-vous du Café littéraire qui se tiendra le 14 juin. On parlera quelque chose de sympa puisque comme on sera au mois de juin, la question sera que mettre dans sa valise pour partir en vacances. Voilà.